Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batu ba isapa makambu ya tenye wa. Ton amour, ta puissance, ta présence. Je sais que tu es.
Dieu. Je sais que tu l'as, tu l'as. Je sais que tu es là. Nous sommes conscients de ta présence maintenant. Nous savons que tu es là parmi nous. Tu es bien tous alliés longo na biso. Que ton nom soit glorifié dans cette émission. Kombo na yo zo lokumu na émission oyo. Que ton nom soit glorifié dans cette culte en ligne. Kombo na yo zo lokumu na culte oyo zo leka. Bénis chacun qui nous suit à ce moment. Pambola moto nyonso zo landa biso na ngonga oyo. Donne à chacun l'esprit de compréhension. Pour comprendre ce que nous parlons. Pona kososola o tozoloba. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo mo santo. Prends ta place. Zoya yo esika. Parle à nos cœurs. Lobela ya biso mitema. Ouvre nos yeux. Fungola miso. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Na yambi bino banso. Je vous reçois tous. Une fois encore, bisika bozola nanga na mukili. Une fois encore, de partout vous nous suivez dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nkolo apambola bino. Aujourd'hui, lelo. Thème na biso principal, décoder la fin du temps. Thème na biso to mama likambo na biso zali koilimbo la suka ya tango. Sous thème. Nous parlons de la bête. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la bête? Qui est la bête? Comment on peut reconnaître qui est la bête? Quels sont les indices de la bête? Quels sont les systèmes de la bête. Laisse-moi dire ici. J'étais béni. J'ai écouté beaucoup des hommes de Dieu, mais je suis béni, tellement béni, à travers de la message de Pasteur Grégoire Mbaye. Na tika na bisayo na yoki basango mingi na tina makombo tonto lobela. Mais na pambola maki mingi na mate ya Pasteur Grégoire. Mutu na mutu azana ngolu azana. Domaine na ezambe a pesi ngolo. Chacun de nous a sa grâce et le domaine que Dieu lui a donné. Moi je sais que ce qui est comme domaine yanguya na délivrance naza na yebi ke ezambe a pesi parce que na jena kapo na ngote na simbi kisi po na ngote eza don de Dieu. Et quant à moi, je sais quand on parle de la puissance, on voit facilement me retrouver car je ne fais pas d'effort là-dessus. On doit reconnaître la grâce de quelqu'un. Dans l'interprétation de la prophétie de l'Apocalypse, j'ai respecté cet homme et je la respecte. J'étais béni quand je l'ai écouté. Na oyetali ko limbo la suka ya tango na ntosi papo yo pe na tosi lolenge ya lobelaki yango. Avant na kita na émission lelo na bengi epo si possible na yambaye na plateau na biso ngai moko na yambaye et on va parler de l'événement de fin du temps. Et avant que je ne quitte le plateau, je m'étais donné la responsabilité de l'appeler pour que prochainement il soit mon invité personnellement. Aujourd'hui, Lelo, nous allons parler de la bête.
lelo tokoloba na o etali nyama yango wana yo oyo zola nangai. Voilà pourquoi vous qui me suivez esengelo yeba, vous devez connaître. D'abord, avant de commencer, yambo tobanda, j'aimerais dire ceci. Na kolingana lobaboye. Zambi na biso alobaka na lisese. Notre Dieu parle par des énigmes. Zambi na biso alobaka na parabole. Il parle par des paraboles. C'est à nous. Ezande na biso de découvrir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Message ni azo pesa biso. Quel est le message qui nous est donné par ces paraboles? Parce que mon atuni mais tu parles de la bête. Motomo ko lobozo banati ne tali nyama. Oui, iyo. On doit connaître et la révélation derrière cette mot là, la bête. Et sengeli to be moni selina sima ya kombo wana nyama. Mais ce que j'ai constaté, oyonga na moni dans le monde spirituel, na mokila milimo, by saka symbole. Ils utilisent le symbole ya ba nyama. Des animaux. Ba bête. De bête. Pour ako transmettre. Pour transmettre un message. Le message. C'est à nous. Ezane na biso de décoder ça. Yako panza ko limbola yango. Mais comme pasteur Grégoire dit tout le temps, la Bible parle par lui-même. Ndenge pasteur Grégoire lobaka Biblia elobaka pe ilimbola ka yango moko. Lelo na kolingato soki otali d'abord Yesu ba place vous babengi l'agneau de Dieu. Soko moni Yesu bisika musu babengi mwana mpate ya Nzambe. Place musu balobi le lion des tribus de Juda. Bisika musu babengi kosi ya libota ya Juda. Diablo mona babengi le dragon serpent. Satan abengami serpent to nyama ya monena bimisaka moto. Scorpion. Scorpion. Voilà. Ils ont un langage spirituel. Ce sont des langages spirituels. Et Dieu nous parle. Et nous avons dans ces derniers temps. Natango ya suka, à travers un livre de prophétie comme Apocalypse, comme Daniel. À travers des livres de la prophétie, comme l'Apocalypse, na Daniel. Un livre wana bazo loba makambo oyo ezako talisa suka. Ce livre nous relate des situations ou des événements qui doivent arriver à la fin des temps que nous sommes en train de vivre. Et on doit être avisé. Pour que chacun de nous soit prêt. C'était trop tard. Ba oyo bazana mafuta na lamp na bango bakei epu azimobali azui bango bakei ba mususu batikali ndeko nyoso wana system parabole lisese oyo Yesu abeti mais ezat ko lobande des événements de fin du temps. Par exemple, quand la Bible parle des 10 vierges, ezat ko talisa bilembo esengeli koma na tango ya suka po ete ba oyo ba ko bongisa ma ba ko kende ba oyo ba ko bongisa ma te ba ko tikala. Yango on doit connaître. Voilà pourquoi nous devons connaître. Elo nani to banda. J'aimerais que nous commençons à partir du livre de Daniel. Na beaucoup ya Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Daniel 7 à partir du verset 1. À partir du premier français Darby et Lingala. Daniel chapitre 7 verset 1 à 4. Daniel chapitre 7 à partir du premier verset au quatrième verset. Oui. Version Darby. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et des visions de sa tête sur son lit. Alors il écrivit le songe et raconta la somme des choses. Lingala, verset 1er. Nambula ya liboso ya bokonzi ya Belshazzar na Babylone, Daniel aloti ndoto pe amoni makambo na tango azalaki kolala na mbeto. Daniel aloti ndoto amoni makambo zambe atalisi makambo ezo komela biso na generation na biso lelo oyo nanu esalamate. De même Jean tokotala yango. Verset bongo akomi yango na mokanda ndoto yango akomelaki yango boye. Verset 2. Daniel prit la parole et dit: je voyais dans ma vision de nuit, et voici les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. Verset 2. Nabutu, namoni lokola ndoto,
Mopepe euti na bipai nyoso mine ya mokili. Ezalaki koya kobeta makasi mai ya ebale monene. Verset 3. Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. 3 lingala. Bongo ba nyama mine ya somo ebimi na ebale monene. Nyama na nyama ezalaki na ndenge na yango. Verset 4. La première était comme un lion et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées et qu'elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 4. Oyo ya liboso ekokanaki na tambo. Kasi ezalaki na mapapu ya kombe kombe. Tango nazalaki kotala yango, namoni balongoli yango mapapu. Batelemisi yango lokola makolo mibale lokola moto. Pe ekomi na mayele ya bomoto. Ça c'est verset 4. Merci. Ici, tomoni vision ya Daniel. Ici nous voyons la vision de Daniel. Azoloba, il parlait que amoni qu'il a vu quatre bêtes. Banyama minei oyo babimi na mai. Qui était sorti de l'eau. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de la bête ici, donc Bible zoloba la nyama oyo. Tokomoni yango. Nous allons le voir. Il parle des rois et des royaumes. Bisika Bible zoloba à propos ya mai. Là où la Bible parle de zo, il parle des peuples. Azoloba ne bikolo. Et on va voir ça. Et nous allons le voir. Alléluia. Amen. Ceux qui t'ont sauté, si nous sautons, dans verset 17. Au verset 17. Daniel 7, verset 17. Version Darby. Ces grandes bêtes qui sont quatre rois qui surgiront de la terre. Ok, ok. Tu as entendu? Lingala. Lingala, verset 17. Banyama yango minei ya somo elakisi ba konti minei oyo ba kobima na mokili. Ok. So, quand la Bible parle, au monde bazo utilise bête, ici, il parle des rois. Et ici, quand la Bible nous présente bête, bazolo banati na ba konzi. Roi, l'ikolo ya ba royaume. Le roi qui doivent régner sur le royaume. Alléluia. Amen. La Bible parle toujours en code. Biblia ezolo batango nyos na lolenge ya kobatela makambu moko boye ko bo foyo nde o décoder yango. Yonde sengeli opanza oyeba yango. Alléluia. Amen. Là où il parle de l'eau. Et si ka bazolo bela mai, il parle de peuple. Bazolo bela bato bikolo. Ça ça qui totali na vase. Même Daniel chapitre 7, ce qui totali na vase 2. Verset 2. Oui. Daniel prit la parole et dit: je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. La grande mer. Et verset 3. Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. Montaient de la mer. Ba matina mai babimi. Mer wana. Mai wana. Ezoloba mokili na biso. Représente notre monde. Bisika batubaza. Là où vivent les humains. Na Apocalypse 17, verset 15, on va voir ça. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Ouais. Nous parle de la mer. Quatre rois sortis de la mer. Pour ébake et woutina mokili. Sortis de la terre. Apocalypse chapitre 17, verset 15, version d'Ab. Oui. Et il me dit: les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et de foules et de nations et de langues. Okay. Yes. Sont des peuples et des foules et des nations. So, c'est-à-dire, ces bêtes-là représentent des rois qui sont à Paris dans le monde. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de la bête, Ezakor, c'est un homme qui représentait, comme Apocalypse 13 à l'obi, c'est un chiffre d'homme.
dans mon biblia ezolo banatina ya nyama eza kolobela nde moto lokola apocalypse alobi eza motango ezotalisa moto mais tokoyeba na nzela ya partage absolelo qui est cette bête aujourd'hui dans notre génération. Et au travers de notre partage, nous allons comprendre qui représente la bête en question dans notre monde actuel. Ok, ici il y a une version. Verset 15, Lingala. Oui. Ange lui a lobi nangai lisusu boye. Ba ebale yo omona ki esika mwasi ya ndumba afandaka. E la kisi bato ya bamboka mabota pe minoko ebele. E la kisi nini? Et la kisi bato ya bamboka mabota pe minoko ebele. Et la kisi mabota pe minoko ebele. Et la kisi nini? Mabota ya bamboka. Bato ya bamboka. Bamboka. Mabota. Mabota. Pe minoko ebele. Nini la kisi bongo? Ebale. C'est la mère qui nous explicite toutes ces choses. Ebale za nini? Bamboka et mabota na batu ebele et la mer représente la nation, le peuple et nombreux et la bête inyama ezo représente nini barwa na barwayom et nyama wana zo talisa bankumu na bakonzi biska bazo konza. Alléluia. Amen. Maintenant aujourd'hui toko kende totala nous allons voir na Apocalypse 13 dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 tozotaka verset 1 à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 13 à partir du premier verset, version Darby. Non avant que de na 13 wana na ling tozonga Apocalypse 1:1. Tout le monde a paix parce qu'on vient de lire vision des gens. Na lingi ba tuba pambula, na lingi ba tuba zala, ba bungate. Tout le monde komona, tout le monde a la vision ya Daniel. Maintenant, tout le monde a la ya Jean. Pour mon a Daniel na ngonga na ezamba a révélé na Ancien Testament, prophète Daniel. Maintenant, na Nouveau Testament, zamba a révélé Jean. Jean, moko ya ba porte ba disciple ya Yesu. Na il y a Patmos, ye pe a moni même vision. Il parle de la bête aussi. Il faut décrire maintenant, selon la parole. Comme disait Pasteur Mbaya, que la Bible parle lui-même. Vous avez expliqué que la bête, c'est quatre rois. C'est ce roi. Et la main, c'est nation, peuple. Alléluia. Amen. Apocalypse, chapitre 1er. À partir du verset 1. À partir du premier verset, sur Darby. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a signifié en la voyant par son ange à son esclave Jean. Linda lelo. Namokanda oyo e komama basekele oyo nzambe alakisaki Jésus Christ. Boye bisaba sali na ye makambo oyo esengeli koya na mwa mikolo. Kristo atindaki angelu na ye epai na ngai Yohane mosali na ye po aya kolakisa ngai yango nyonso. Oyoki nani atindi ye? Christ. Il a envoyé Jésus-Christ. Atindi mosali na ye. Il a envoyé son serviteur. Aya kolakisa pour venir lui montrer. Alléluia. Yes. OK. Verset 2. Qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. Bongo, nazali koyebisa maloba ya Nzambe, pe makambo nyonso Jésus-Christ alakisaki ngai lokola na ndoto. Verset 3. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Et
tango esi ekomi pene pene. Pamba te tango esi ekomi pene pene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que mutu yonso azola na ngai ofungoli Bible na yo zotanga. Je pense que vous tous qui nous suivez, vous avez vos Bibles en main en train de lire. Parce que c'est très important toye ba makambo oyo. Pour tes amo toya mingi toye ba yango. Daniel a eu même vision. Daniel a reçu la même Jean vision. Jean a eu même vision. Et Jean son Daniel parle de la bête. Daniel parle de Aniama. Il parle de la bête. Azolo bela Aniama. Awa pe Jean pe azolo ba makama bête. Et de même Jean nous parle de la bête. Alléluia. Amen. Nani toke ne liboso. Maintenant totangi Apocalypse 13. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Ouais. Premier verset. Oui. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Alléluia. Lingala. Bongo na moni ni amamoko e bimina e balé. Ezala ki na maseke zomi pe mitu sambo. Na liseke moko moko. Elataki ekoti ya bokonzi. Pe na likolo ya mitu na yango bakoma bakombo ya kotiola Nzambe. Amoni lobi amoni dikon. John amoni dikon. Oyo ezana kome vase vase 1. Tanga pona ngali susu. Verset 1er. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Moni. Continuez. Tina 2. Verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Mm-hmm. Et ses pieds comme ceux d'un ours. Mm-hmm. Et sa bouche comme la bouche d'un lion. Uh-huh. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône. Okay. Et un grand pouvoir. Omoni John aussi parle de la bête comme Daniel. Yoa di pe azolo bela nyama lokola Daniel. Mais kasi na Daniel chapitre 7 verset 17 to tanga kiango to yebi ke la bête là ezaba roi. Et dans le livre de Daniel 7 17 nous avons vu que ces bêtes là représentent des rois. Denge Jean pe alobaki awa. Tel que Jean là Eza ba roi. Ezaka kabakonzi. Na lingo tangila ngali susu place wana. Daniel 7 17. Pona lingi batu babungate. Toba ozonga tozo swape. Daniel 7 17 s'il te plaît. Yes. Okinoki. Daniel chapitre 7 verset 17 Darby. Ces grandes bêtes qui sont quatre rois voilà. Qui surgiront de la terre. So, quand nous parlons de bêtes, nous parlons des rois. Tango tozolo bela nyama tozolo bela bankumu. Awa pe Jean pe a moni même vision. Et Jean vit la même vision. Dieu Zambé ezala dans le monde spirituel yonso. Dans tout le monde spirituel, ba itizaka ba symbole ya ba nyama. Ils utilisent des totems des animaux. Lion des tribus de Juda. Kosia libota na Juda. L'agneau de Dieu. Mwana pate na Nzambe. Somone. Diabolo ba bengi serpent. Satan ba bengi nyoka. Dragon. Dragon. Dieu utilise ce symbole pour nous parler. Zambazo bela biloko yo pote elo bela biso. Soto zongeli Apocalypse 13. Nous revenons à l'Apocalypse 13. Continuez la lecture. Verset 3. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort. Et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Ok. Lingala. Motumoko ya niyamawana ezalaki na pota ya somo. Oye lingaki koboma yango. Kasi nyama ebika kikaka. Boye batu nyonso ya mokili bakamwe penza balandi nyama. Continue. Verset 4. Et ils rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils rendirent hommage au dragon. Qui est le dragon toyebi? C'est le diable. Yes. Il rendit hommage au dragon qui a donné le pouvoir à la bête. So, la bête que nous parlons aujourd'hui, parce que thème nabisu, la bête. C'est le dragon, le diable qui l'a donné pouvoir à cette bête. Et niamana tozolo bela ezali et lima mutwa pesi nguya oza satana. Continue. Lingala. Bangonio so babandi kofu kamela elima. Po epesa ki bokondi na niama. Mafuka melipe niyama balobi. Nani ya kukani na niyama.
nani akoki ko bundisa yango. Verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois lui fit donner. 5 lingala. Voilà. Nyama ezu nzela ya koloba makambo ya lofundu pe akotiola nzambe. Ezu bokonzi ya kosala mosala na yango mbula misato na ndambo. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Awa to komi tozo mona ke bazo décrété Bible ezo talisa biso makambo nini bete wana azo sala elelo soki oza mayele oza na sagesse oza na intelligence okoye parce que akoya te azad déjà parmi nous na tangi na méditation na ngai na 1 Jean et autant olelo chapitre 2 omona ke mutu ango azo représenter la bête azad déjà parmi nous. Hallelujah. So azo décrété ke il parle blasphématoire azo loba contre Dieu et le koyos to bengaka antichrist, c'est-à-dire mutu aza contre Christ na maloba na yozo mona ke na shimo na makamo yoso eza contre Christ. Et ici on nous détaille comment sont les œuvres de la bête, car dans tous ses dires il ne fait que contredire la parole de Dieu. Tozonga mo simamke na chapitre 13 wana tuzangi verset 1, la parole de Dieu nous a parlé de 10 cornes. Le banzambe talisi biso maseke zomi qui est 10 rois. Ezo talisa ba konzi zomi oyo bazo vanda likolo ya 10 royaumes qui siège, qui règne sur 10 royaumes. Alléluia. Amen. Qui est cette 10 cornes? Nini ezo talisa maseke wana zomi? Quel royaume? Bokonzi nini? Na histoire, dans l'histoire, okosusula parce que tout kotanga na Daniel 7 17 que les bêtes sont des rois. Et tu vas comprendre car dans le livre de Daniel 7 17 nous venons de lire que banyama wana bazo talisa nde bakonzi. Les 10 royaumes wana, et ces 10 royaumes, 10 cornes wana, les 10 cornes, et ça 10 rois représentent 10 rois au baza ko gérer 10 royaumes, qui gère 10 royaumes. Alléluia. Amen. Et cet royaume à l'époque babenga ngo l'empire romain. Et bokondi wana na kala babenga ki ngo bokondi ya ba Roma. Alléluia. Amen. Et de là kouta na wana na kati na bango, parmi eux sortira la bête principale. Nde akobima nyama oyo aza na bokondi penza. Ba royaume wana soito yebi bango nde bazo konza mokili depuis même colonisation to yebi bango. Et d'après l'histoire, ce sont ces royaumes qui dirigent, qui règnent sur le monde. Numéro 1, Allemagne. Yaliboso, Allemagne. Suisse. France. La France. Italien. L'Italie. Anglais. L'Angleterre. Portugais. Le Portugal. Espagnol. L'Espagne. Ça, c'est le premier 7. Oh, Ezaliba 7, Yaliboso. Les trois autres, va disparaître l'élo. Bah ouais, misato balandi ba bungi. Mais na ba carte géographique yakala oko retrouver comme na bango. Mais dans les cartes géographiques anciennes, vous les Zéroul, les Vandales et les Ostrogoths. Les Zéroul, les Vandales et les Ostrogoths. Alléluia. Amen. Ce sont des trois qui ont disparu. Bazali misato oyo bazopona na tena mikolo la biso lelo. Ba 10 royaumes oyo. C'est 10 royaumes. Bazalaka l'Empire romain. C'est eux qui constituaient l'Empire romain. Alléluia. Amen. Et selon Daniel 7, 17. Et d'après Daniel 7, 17, nous connaissons quand nous parlons de la bête, nous parlons des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lélo. De nos jours, la Bible a dit que Moutou Aza sage, Aza intelligent, a décodé chiffre d'homme wana de la bête là. De nos jours, la Bible nous montre que la personne qui est sage à viser doit décoder ces nombres de la bête. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de partager dans cette émission. Et Ezali Oyo biso tozo kabola na bino na nzela ya émission Oyo. Kobosanate, n'oublie pas,
Nous venons de lire dans verset 4. Nous venons de lire 13. Dans le livre d'Apocalypse 13. Le dragon qui est le diable a donné son pouvoir à la bête qui sort de l'Empire romain. Apocalypse 13, 4. Apocalypse chapitre 13, verset 4. Oui. Et il rendit hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et il rendit hommage, il rendit hommage au dragon parce qu'il a donné le pouvoir à la bête. Bapesi lokumu na elima pweta pesi bokonzi na nyama. La nangae. Toute la force qu'il utilise cette bête, c'est le diable, le dragon qui l'avait donné. Satan est limandé à pesa qui est yango. Apocalypse 12, verset 9. Dans le livre d'Apocalypse 12, 9. Ce sont les que le dragon, c'est le diable, le serpent. Nous avons compris que Nyamawan et Lima et Zali Nyoka Satana. Yango na Epsibiso. Voilà pourquoi je nous ai dit. En matière de kike, barras de vipère, basoui bokonzi yamokile. Voilà pourquoi je nous avais dit que. Mais Dieu est au contrôle. Apocalypse 12, 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Oui. Et le grand dragon fut précipité. Le serpent ancien. Merci. Le grand dragon fut précipité. Le serpent ancien. C'est lui qui a donné à la bête le pouvoir. Et quand nous allons expliciter qui est la bête, tu sauras que la force qu'il utilise de nos jours lui a été conférée par les dragons. Alléluia. Amen. Lingala yalelo. Merci. Verset 9, Apocalypse chapitre 12. Babengani elima monene wana. Voilà. Yango ezalinde nyoka yakala. Oyo ekosaka bato ya mokili mobimba. A changé pété. Babengaka yango zaboloto satana. Voilà. Babwaki yango na mokili. Naba angelou na yango. Maintenant, na Apocalypse 13, 4, wana, nani a pesi bet wana nguya, les dragons, c'est-à-dire diabolo, Satan. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, nous voyons que c'est lui qui a donné à la bête le pouvoir, Ezali Satana. C'est-à-dire, la bête là, azo régné nguya ya Satana. La bête la domine, dirige par la puissance du diable. Azo incarnation ya diabolo. Azali oazo talisa Satana. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Voilà. Maintenant, on a start au comité de Stoyebi que quand la Bible parle de la bête, il parle d'un homme. Et si quand on zali, nous connaissons que quand la Bible parle, il y a Niama, Azolo Belande Moto. Alléluia. Amen. Parce qu'Apocalypse Alobi, Makrnaye, 666, Eza chiffre de un. Non. Pour être beaucoup y a moni c'est l'histoire y a souk y a tango ici biso motango na ye eza motango ezo talisa moto. Alléluia. Amen. Alobiango eza chiffre de énorme. Eza motango ezo talisa moto. Na Apocalypse 13 verset 17. Dans le livre d'Apocalypse 13. Mais tuzo koma wana nante. Toling totala banini ezo lakisa biso oyo ba français ba bengi ba indice. Nous voulons démontrer les indices. Indice de la bête. Oui, ils ont talisa niama. Bilembo. Nous voulons les énumérer un après l'autre. Si tu es sage et avisé, sans que je ne cite, tu peux aussi connaître il s'agit de qui. Parce qu'on doit savoir. Et belé. Nombreux. Même parmi les élus. Déjà, bazo bunga sont en train de s'égarer. Bazo yebate. Ils ne savent rien. Parce que ils travaillaient avec séduction et déception totale. Puis le lendemain, pour saler la azako sous la batoupe, azako kosa batou. Et au cas moitié, parce que c'est ça.
caractéristique ya diabolo. Et ne sois pas étonné car cela fait partie de ses caractéristiques. Il est père de maçons. Azali tata ya lokuta. Kosaka. Il ment. Yango, il faut être sage. Voilà pourquoi tu dois être sage. Il faut avoir une intelligence spirituelle. Tu dois avoir une intelligence spirituelle. Pour qu'on décoder. Alléluia. Amen. Les indices de la bête. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Oui. Apocalypse 13, verset 8, version Darby. Oui. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Déjà, la bête la batignon soba ko rendre ye hommage. Rien qu'avec ceci, cela nous montre qui sera bénéficiaire de ces hommages. Les gens vont lui rendre des hommages. Ils vont l'adorer. Tel que nous parlons de ces indices, cela va pointer de qui s'agit. Lingala. Lingala verset 8. Namo kili mobimba, bato ebele babandi kofuka mela yango. Bamba te, uta ebandeli ya mokili. Bakombo na ya bango ekomama te na buku ya bomoi ya mwana meme oyo babomaki. Alléluia. Amen. J'aimerais encore totanga avant na banda kutanga moko 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 les indices de la bête na totanga lisusu Apocalypse 13 16 et 17 à 18. Apocalypse chapitre 13 verset 16 Darby. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17, continue. Verset 17. Et que personne ne peut acheter ou vendre sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Continue, 18. Verset 18. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Voilà. Lingala. Lingala. Boye nyama oyo etindi bato nyonso na makasi te bazwa elembo na liboko ya mobali to na elongi. Ezala bato minene to bato pamba, bato ya bomengo to ba oyo bakelela, baumbu to bansomi. 17. Ata moto moko te akokaki kosomba to kote ki se eloko soki azangi elembo yango to kombo ya nyama to pe talo oyo ekokani na kombo na yango. 18. Makambo oyo ezali kosenga mayele. Moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba tina ya talo ya nyama, pamba te talo na yango elakisi moto, talo na ye ezali 666. Merci. Elakisi moto. Maintenant Totangi kobos natina Daniel 7, 17 alobi, la bête c'est les rois. N'oublie pas dans le livre de Daniel 7, 17, Nyama wana ezotali sabakonzi. Et roi wana azana royaume azoko zalikolo. Et ce roi a son trône ou son royaume qu'il domine. Na Apocalypse to bonipe. Et dans le livre d'Apocalypse nous l'avons vu. Di kon. Bama seke wana zomi. O ezotali sa di nations. Et totangi ba nation wana. Et nous avons énuméré ces nations. Ce qui otangi classe monique bangonde ba maître colonial à l'époque. Et si tu as étudié, tu sauras que ce sont ces gens-là qui ont colonisé à leur temps. Et la bête que nous parlons sortira de là. Benyamo tozolo ba kobima na kati na bango. Oyo ba bengi ba empire romain. So, indice ya liboso. Le premier indice de la bête. Oya nyama, c'est un pouvoir romain. Ezali kotali sabokonzi ya ba Roma. Alléluia. Amen. Okoyeba edenge nini? Comment tu vas les dénicher? Même la Bible dit dans Daniel 7, 25. La Bible nous dit dans Daniel 7, 25. Il changera la loi. Ye akoya ko bongo la mobeko.
C'est facile. Il changera la loi. La loi de Dieu. Mobeko yanzambe. À un moment, tu yoki balobi Bible. Oyo to botami to koli nango. Eza déjà annulé. Eza lisusute. Mususu ezo bima. Balobi, il changera. So eza bandis ozo tali sayo. Qui est cet homme qui représente la bête? Et balobi. Ezali elembo ya moto oya koya ko bongo la mobeko et na tangu moko to ki lisolo ke bible to mesani na yango bastie yango pembeni to balongoli yango. Daniel 7 25. Daniel chapitre 7 verset 25. Voilà. Darby. Et il proférera des paroles contre le très haut. Et il consumera le saint des lieux très hauts. Voilà. Et il pensera changer les saisons et la loi. Les saisons et la loi. Et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Nguya n'a pas pouvoir n'a pas temporaire. C'est béni Dieu pour cela. C'est temporel. Cela n'est pas éternel. Lingala yalelo. Voilà. Akobimisa maloba ya mabe pona nzambe ya likolo. Et si bandi soki oza otanga otalaka ba réseaux sociaux otanga okomuna et si bandi kobima. Si tu es avisé, tu sauras que ces choses ont déjà commencé. Parce que nous parlons de les indices où ils ont tali sa vie sur la bête. Apocalypse a l'objet, c'est un chiffre d'homme. Apocalypse a l'objet, c'est un tango ya moto. Ok, balobi, il changera la loi. Akoyako bongo la mobeko. Tanga, tanga. Akobimisa maloba ya mabe pona nzambe ya likolo. Voilà. Pe akonioko la bato ya ekolo oyo nzambe ya pona. Voilà. Ezo salema déjà. Ces choses se produisent. Comment ça passe, basanto? Humilié, frappé, les chrétiens, les enfants de Dieu. Comme ça va, loi, il y a dengue, il y a dengue. Sortir, générer des lois. Continuez. Atoluka kobongola bafeti nami beko ya nzambe. Voilà. Yonso wana toyebi ke se salama. Toutes ces choses. Changer les jours de sabbat, ba changer en une date, mususu, na ba loi, toyebi ke basiba lobi, Bible, eza déclassé. Nous connaissons que ces choses se sont produites car ils ont changé de date et la Bible a été mise à côté. C'est l'histoire, papa. Bato ya ekolo oyo nzambe ya pona bato koya na maboko na ye mbula misato na ndambo. Alléluia. Les indices qui montrent qui est la bête. Bilembo ezotalisa nani wana nde nyama. 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 20 et verset 22. Je lis dans ma méditation aujourd'hui. La bête, c'est antichrist, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre Christ. Tout ce qui est Christ. Natanga ki na kotanga nangai nyamawana azali moto oyaza koteleme la Christ to koboya nyoso Christ asengi to sala. Baze belé mais quand même. Okoyeba oyo tozoluba oyo parce que asia bemisi mutu. Et a commis proclamé bientôt. Ils sont nombreux, mais dis-moi, tu connaîtras de qui nous parlons, car il va bientôt lancer. 1 Jean 2, verset 18. Version d'Abi, j'ai dit au nom de Jésus. Oui. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antichrist vient, oui. Maintenant aussi, il y a plusieurs antichrists. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure? L'Igala. Bananangai, tokomi na tango ya suka. Boyoka kite monguna ya Kristo azali koya. Sikoyo banguna ebele ya Kristo basi babimi. Babimi, bakoyate bazadija. Yango wana toyebi te tokomi na tango ya suka. Oyoki, yango wana toyebi ke tokomi na tango ya suka. Bandeko. Bien aimé. Bananzambi. Les enfants de Dieu. Ngonga yango yo. L'air est là. Tomi bongisa. Arrangeons-nous. On ne sait pas. Nous ne savons pas. Ça peut pas. Être aujourd'hui. Et quand ça l'a ça peut être 12 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais, Kasi, c'est le temps de vivre prêt. Tokomi nangongo esengeli obi kosi omi bongisa. Voilà, continue. Verset 19. Oui. Ils sont sortis du milieu de nous. Voilà. Mais ils n'étaient pas de nôtres. Voilà. Car s'ils eussent été de nôtres,
ils fussent demeurés avec nous. Voilà. Mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. 19 Lingala. Bato yango bazalaki bandeko na biso te. Yango wana batiki biso. Soki bazalaki penza bandeko na biso, mbele batikalaki na kati na biso. Kasi batiki biso po emona na polele ete moko te na kati na bango azalaki ndeko na biso. Merci. Amen. 20. Verset 20. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes choses. Alléluia. Njokande, bino bosi bosi molimo mo santu oyauti na Christo. Boye bino nyonso boye bi makambo ya solo. Ya solo. Soki ozana molimo santu, ekopesa maloyo ngolu ya koyeba. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras la grâce de connaître. Esprit ya zambi ko témoigner na esprit na yo qui est la bête. L'Esprit de Dieu témoignera dans ton esprit nyama wana zanani. Verset 22. Verset 22. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Alléluia. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Lingala. Oui. Nani azali moto ya lokuta ezali moto oyo alobaka na miso ya bato te Yesu azali Mesia te. Moto yango azali monguna ya Kristo po awangani Nzambe Tata pe mwana na ye. Alléluia. Amen. So ozomona, tu vois que moko ya ba indice ezotalisa biso la bête, l'un des indices qui nous montre qui est représenté par un homme. Oui, ezotalisa moto. Tolobi nini, premièrement, un pouvoir romain. Eliboso tolobi ezabo konzi o uti na ba Roma. Deuxième, yami balé, c'est un pouvoir religieux mondial. Ezali nguya o ezotalisa beyamba ya mokili mobimba. Un pouvoir religieux mondial. Nguya o ezotalisa biyamba ya mokili mobimba. Alléluia. Amen. Et on peut les voir ce qui osa mayele okoko sosola. Et si tu as visé, tu peux les comprendre. Aza Nanguya. Il a la puissance. Azokonza. Il règne. Likolo ya ba religion yonso. Sur toutes les religions mondiales. Yamokili. Alléluia. Amen. Et troisième point. Et le Moyami Sato. Indice. Ozotali Sabiso. Cet homme qui représente la bête. Ozotali Sabiso moto azu elilingi ya nyama. Obo sanate Daniel 7, 17 dans la Bible. La bête c'est le roi. Un roi. Et Daniel a tali sibiso ete nyama wana zalinde mokonzi. C'est-à-dire fois la motu azana place ya pouvoir ya autorité ya konza. Il doit être une personne qui occupe un rang pour diriger ou régner. Premièrement tolobi un pouvoir romain, deux un pouvoir religieux mondial. Ya liboso tolobi nguya uti na ba Roma ya mibale nguya eyamba ya mokili mobimba. Troisièmement un pouvoir religieux qui domine sous le pouvoir civil. Oya misato ezali nguya ya eglise ya ba eglise mais ezo konza likola nguya oya batu batambwisaka mokili. Et tu peux voir peu comme na yango soki oza na molimo santo na kati na yo. Si tu as le Saint-Esprit en toi, oye ba pouvoir nini religieux mais azo konza ta la réseau social azo konza aza wana même ba ba pouvoir civil ba gumba belakaye. Tu sauras de quel pouvoir religieux règne et dirige même sur le nation. Et quatrième point. Et l'itono yamine. Un pouvoir blasphémateur. Nguyamoko oezolo ba makambo ezotele melatoko finga nzambe. Apocalypse 13, verset 16 à l'obiango. Apocalypse 13, 16, la Bible. Un pouvoir blasphémateur. Bokondi oezo finga nzambe. Yeah. Apocalypse 13, verset 6. Apocalypse chapitre 13 verset 6 Darby. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Lingala. Ebandi ko tshola nzambe bebo kondinaye nanda koye afandaka beba oyo bazalaka epai na ye na likolo. Alléluia. Acholaka. Il blasphème. Pour na ba oyo ba mesani na ba réseaux sociaux na ba YouTube okomona ba phrase ebandi ko bima o eza contre Zambe.
Pour ceux qui sont habitués aux réseaux sociaux, vous saurez qu'il y a des phrases qui sortent déjà, qui sont contre Dieu. Oui, bah, que c'est lui-là. Indice, moko ezota isake mutuwana aza blasphémateur. Pour dénicher que la personne qui est à la base est un blasphémateur. Yango, Bible lobi okoyeba solo solo yoyebi ekokangulae. Voilà pourquoi la Bible dit tu connaîtras la vérité et cette vérité te rendra libre. Makambo ezo salema na tango ya sukoyo ezota isa biso. Ces événements du temps de la fin nous montrent la fin est proche. Et des souka et comme pené. J'ai l'habitude d'en parler. Dans ce monde ici, Dieu va utiliser des hommes. De même, le diable va utiliser des hommes. Nous l'avons lu au début. Le dragon Elima a donné le pouvoir à la bête. A pesi bokonzi na nyama. Et Daniel 17 attache que la bête c'est un roi. Et beaucoup yaba Daniel et talisipiso était nyama wana tozolo bela ezande mokonzi. Un nom d'autorité. Mutu oyazana nguya ya kokonza. Mutu azana pouvoir. Un homme qui a le pouvoir. Alléluia. Amen. Maintenant tosuki wana soki otalepe indis bususu azana prééminence mondiale. Il est respecté mondialement. Et ce que tali lisusu azaboto oyo mokili bobimbe zo to saye zo pese elokumu. Maintenant eloko mususu ekosunga yo poyeba. Une autre chose qui peut t'aider à connaître la bête que nous parlons. Nyama oto zoloba azana système naye. Azana lo lenge naye ya kosalela. Et système wana. Et ce système ezo tali sabiso ezo révéler lisusu. Nous montre ainsi que nous révèle qui est la bête. Oh, nani oya zali nyama wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozolo ba ke la bête ici que nous parlons azo représente un système religieux, un faux système religieux. Faux système religieux. Et nyama o tozolo ba awa azali nyama azo talisa lo lenge moko ya mabe ya ko talisa biyamba. Et sengilo kamwa te parce que celui qui l'a donné le pouvoir, qu'on appelle le dragon, le sapin, l'ancien, il est père des mensonges. Tu ne peux pas en être étonné. Pourquoi? Parce que Mutu a pesié Nguyawana, Aza Oba Bengi Tata Yalokuta. Yangwana, la bête représente un faux système religieux. Talatina Nyamwana Zotali Salolengi a postalé la Makambuya Biyamba Yamabe. Numéro 1 pour Nakoyeba. Yaliboso pour Nakoyeba. Au monde un système nabango, l'autorité humaine est au remplacer l'autorité du Christ. Et pour na koyeba ya liboso lo lenge na bango bokondi ya bato ezwa kozwa lisika ya bokondi ya Nzambe. Au lieu ba tombola l'autorité de Christ, maintenant bazo tombola l'autorité humaine au-delà à la place de l'autorité du Christ. Au lieu de brandir l'autorité de Dieu, ils brandissent l'autorité des hommes. La première chose. Oye lokwa liboso. Deuxième. Yami balé. La tradition humaine à la place de la parole de Dieu. Le lende bato ba sengeli kozala bazo matiango likolo koleka iloba ya Nzambe. Eza lo lenge na bango système na bango. C'est leur système. Na Marc chapitre 7, dans Marc chapitre 7, verset 8, verset 8 et 9. Et 9. Tanga pona na Marc 7. Marc chapitre 7, verset 8 et 9, oui, 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 oui. Car laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes de laver les peaux, de laver les peaux et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alléluia. Lingala. Lingala. Verset 8. Bino pe botia mibeko ya nzambe pembeni. Boto saka mibeko oye uti na bato. Batia mibeko, tala système na bango. Bazo tia mibeko ya nzambe pembeni. Ils mettent la loi de Dieu à côté. Mais au lieu mibeko ya nzambe batia pembeni batia ya bango. Au lieu de présenter la loi de Dieu, ils le mettent à côté et ils présentent leur loi. Quelques des années passées déjà dans des écoles na États-Unis, aux États-Unis, bakomi kolongola ba études bibliques na école balongoli yango
ils écartaient des études bibliques et si kaba na bazo tanga. Même na école biska mwana nga mundele azo tanga balongole école. Même bana nga nyonso batanga balongole école études bibliques ezalakate denge biso tozali balongole yango. Ils ont écarté des études bibliques telles que ce fit à l'époque. Remplacer la parole de Dieu avec tradition humaine. Kotia balolenge ya bato esika liloba nzambe sengeli. Silisa, verset 8 et 9. Marc 7. Verset 9. Et il leur dit, vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. Alléluia. Afin de garder votre tradition. Tradition humaine est la place à parole de Dieu. L'une des voies qui peut vous aider à connaître, ils mettent la tradition humaine à la place de la tradition de Dieu. Ok. Troisième point. L'itono yamisato. Moko ya système. L'un des systèmes. Oyeba. Pour que tu le saches. Eza. Bazo bimsa loi. Une sorte de loi. Zambe a sali 10 commandements. Dieu a fait les 10 commandements. Bango pe basali ya bango. Et aussi on leur dit comment. Une loi qui remplace la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Mobeko o elinge zo esika ya mobeko ya Nzambe. Totanya ngo tout à l'heure Daniel 7 25. Nous venons de les lire dans le livre de Daniel 7. Alléluia. Amen. Les losso ki obeti goggles. Aujourd'hui si tu entres dans Google, na état ya Georgia na États-Unis, dans l'état de Georgie aux États-Unis, il y a un pierre ga bengango George Stone. Ezana libanga o babengi libanga ya kotali sanzela Georgia Stone. Georgia Stone to pierre de direction. Mais na anglais ce que obengi Georgia Stone na Google. Eko like sayo ba komi 10 commandement na bango na na nini wana. Et si tu joues dans na pierre wana la libanga wana soko ke na Google obeti Georgia Strong omona batali sibiso libanga wana o bakomi mibeko na bango. Bango baso s'oppose na nyonso zambe asala. Et s'oppose à tout ce que Dieu a fait. Baza ba race ya vipère. Bazali bato ba wuti na nyoka. Ba semence ya serpent. Bazali bato ba bimi na nyoka. Alléluia. Daniel 7 25. Daniel chapitre 7 verset 25. Version Darby. Et il abattra et il proférera des paroles contre les très hauts. Et il consommera le sein des lieux très hauts. Et il pensera changer les saisons et la loi. Et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié des temps. Il pensera changer les saisons et la loi. Bakokanisa kobongo la batango bileko pe mobeko. Bango basali 10 commandements ya bango. Ils ont fait leurs 10 commandements. Tango kotanga okomona makama komikuna. Quand tu liras, tu verras ce qu'ils ont. Et yangone bazo kokisa sikoyo. Et c'est ce qu'ils veulent accomplir maintenant. Il faut population mondiale équita. Il faut que la population du monde soit rabaissée. Oh Zambia lobi, multipliez-vous, remplissez la terre. Zambia lobi na biso, toyi kimina toko mebele to tondisa mokili. OK. Bango balobi, il faut réduit. Bango ba sika na bango ba lobi faut ko kitisa ba koma moki. Alléluia. Amen. Zambe alobi mwasi na mobali ba balana. Bango ba lobi mwasi na mwasi, mobali na mwasi. Nyonso wana soki mwasi mwasi, mobali mobali bazo balana. Denge nini population eko mata eko mata te ko kita. Dieu a instauré le mariage pour les sexes opposés, mais ils disent que mwasi na mwasi ba balana, mobali na mobali ba balana. Et comment est-ce qu'il y aura multiplication? Zambe alobi l'homme dominé a tel l'homme likolo supérieur likolo ya ba bête ba nyama. Bango balobi l'homme et la bête sont égales. So yango lelo to komi komona denge na lakisi na église to komi komona mwasi azo bala nyama, azo bala mbwa, azo tche anio na maboko ya mbwa, azo jure serment, je serai fidèle à toi, mon mari. Quel okay, oh ma chada baya. So, bazo sala tout contre la loi de Dieu. Dieu a placé l'homme au-dessus de la nature, au-dessus des animaux, mais ils disent que moutou na nyama baza lo lege moko. Tango mwasi abale nyama bako bota dengue.
quand une femme s'accouple avec un animal, comment est-ce qu'ils auront des enfants? Yosowana ezwa ko combattre loi ya Zambe oya lobi. Soyez fécond, multipliez-vous, remplissez la terre. Et ce système est pour combattre la loi de Dieu qui nous envoie à se multiplier. Sokobo sanate. N'oublie pas, c'est un la bête représente un faux système religieux. Nyamana zotali salolenge ya mabe ya biyamba. Une autorité humaine à la place de l'autorité du Christ. Bokonzi ya moto na esika bokonzi ya Nzambe zala. Deux. Tradition humaine à la place de la parole de Dieu. Le lenga ba pesengali ba bika ezozo esika esilo banza mesengala kezala. System wana azo bimisa ba loi qui remplace ezo zo place ya commandement ya Zambe mibeko ya Zambe. Et ce système sort de loi qui veulent prendre la place de la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu yebi yango depuis kala. Et nous les connaissons depuis. Quatrième. Yamine. Ba bimisi faux saba. À la base des vrais sabbats. Mais ici, il y a sabbat, il y a malam. Faux sabbat. Sabbat, il y a l'okuta. Mais tu sais que pour nous, nous connaissons Jésus est notre sabbat. Yesu masi andaza bope mina. On peut le adorer chaque jour. Tokoki kokumba melaye mokolo. C'est ça la révélation. Oyonde monise. Il est devenu notre sabbat pour nous. Akoma pona biso bope mi. Mais c'est vrai, va changer en gros. Et dimanche. A quitté le samedi pour atteindre la journée pour adorer l'air Dieu du soleil. Selon anglophone babengango sans de les jours de soleil. Sans les soleil. De les jours. Sans de les jours de soleil. Kolandisa mabato balobaka monoko ya anglais mokolo ya moyi. Bazo changer balora. Il change de la saison. De saison, tu peux les connaître. Okokoye babango. Alléluia. Amen. Yango de Bible et pekisibiso. Voilà pourquoi la Bible nous interdit. Nazo kende versuka. Je tends vers ma fin. Okoye baye. Tu vas les connaître. Si tu es sage et intelligent. Sokoza na bwanya pe mayele. Alléluia. Amen. Parce que lelo monde entier bazo adoré. Parce que il est adoré par le monde entier de nos jours. C'est un faux système religieux. Eza lo lenge ya kobiyamba ya lokuta to ya mabe. Alléluia. Amen. Un faux système religieux. Lo lenge ya mabe ya biyamba. Nakati noir. Mais azo manifester pembe likpanda. Au dedans il y a le noir mais il présente l'apparence du blanc à l'extérieur. Yango on doit être avisé. Zambé alobi, mon peuple sont détruits faute de la connaissance. Yesu alobi, libote langa ezobe ba pwete bazangi koyeba. Je suis heureux de partager ça. Nazane sembo akokabola yango. Elongoli na ba sali ya Zambé mususu. Avec différents serviteurs de Dieu. La Bible dit celui qui partage cette vérité est béni. Bible alobi ete oyazo kabola boyebi oyo ye apambolami. Alléluia. Amen. Bien-aimé, olingami. Apocalypse 13, lisusu. Nous revenons le livre à partir de verset 15. Pour tous comme en Azuka. Verset 15 d'Apocalypse, oui. Chapitre 13. Oui. Et il lui fit donner de donner la respiration à l'image de la bête. Voilà. Afin que l'image de la bête parlât même. Mm-hmm. Et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Alléluia. Amen. Ok, à l'image de la bête. À l'image de la bête. Une bête wana azana image. Cette bête a une image. Azana ba instrument. Il a des instruments. Oyo azo sale la. Qu'il utilise. D'après mon interprétation. Kotala lolenge nanga ko limbo la. Ba technologie avancée oyo. Ces avancements de technologie. Ils ont l'image de la bête. Ils ont l'image de la bête. Alléluia. Amen. Image de la bête représentant ya eloko. L'image c'est le reflet de la chose. Et keko. De statue, du statut. Les lots. Par téléphone. Aujourd'hui les téléphones. Par laptop, par internet. Oyonso. Toutes ces histoires. Ils ont un instrument qu'ils ont utilisé dans ces derniers temps. C'est l'un des instruments qu'ils utilisent en ces temps de la fin. Il y a un même instrument qui est codé.
Voilà pourquoi tu vois, même ces instruments sont codés. Je suis presque à la fin, Bandeko. Na komi na sou. Na téléphone na yopomo na attaque moko ya ba image na ye. Pour voir dans ton téléphone le na moko, clavier. Dans ton clavier. Dengi tu kombosa ka numéro. Dans le clavier numérique. Omo na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 après 0 la fin. Clavier wana. Eza ko tali sabiso image. Vous verrez que dans le clavier, il y a le nombre qui s'ensuit et tout cela nous présente l'image. Yangwa lobi, c'est lui qui est sage. Yangwa lobi, oya zana boani. Et qui a l'intelligent. Pe azana mayele. Asa la calcul. Qu'il calcule. Est-ce que tu peux lire pour moi Gauthier verset biblique wana, version wana oyo lobi, il faut ça la calcul. C'est-à-dire Apocalypse 13 verset 16 17 ou kotanga 15 16 17 et 18. Apocalypse chapitre 13, verset 18, version 8 secondes. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Quelle version ça? Version 8 secondes. Louis secondes, c'est ici la sagesse. Celui qui est sage et qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Le nombre de la bête. Oyo nebuania moto azali na mayele a calculer motango na yango eza motango ya nia. Maintenant na clavier na yo wana obenga ka mokili mobimba. Et sur ton clavier que tu utilises pour appeler, ta la chiffre. Avant na tanga tangelanga verset 16 et 17. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13 verset 16 et 17 version 8 secondes. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ok. Pour y baké, apesi déjà. Azana ba image azo utilisé. Azana ba instrument azo utilisé. Moko na ba mona lobi yango yo téléphone yo clavier na yo. So que beti machine maintenant. 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. Yon se pesi so égal chiffre 6. 4 plus 5 plus 6. Et pesi so 15. On multiplie 1 plus 5 et puis ce chiffre est 6. Toke na 7 plus 8 plus 9 et puis ce 24. On multiplie ou additionne 2 plus 4 et puis ce sont combien? 6. So finalement, tu combines un chiffre combien? 6. Image de la bête. Ezo talisa niam. Et kokonaye. Biloko yo telefone yo ezo tambola na eloko to bengi puce. Ce téléphone marche avec la puce. Lobi quand nous parlons ngaina mama tozo loba. Lobi nazo ebisa me tenge nini to kondima o bache yo eloko puce électronique e ba bengango radio frequency identification. Et hier, pendant que je parlais avec ma femme, je me suis dit, comment est-ce que je peux accepter de mettre une puce? C'est-à-dire, dès que tiens, on dit que au commis téléphone, bah koki ko manipuler au dengue balengue. Maman, lobi mais bah bengi loko radio fréquence radio au commis radio. Songa na bakzina lobi radio pour changer fréquence et radio. Mon élo roi nato simba va. On parle aussi pour changer fréquence. Bako banako changer fréquence ya mayele nayo, agissement nayo, kaka nanzela ya piswa na bako tiena maboko. Denge balingi. Bien-aimé, tous à la sage. Soyons sages. Et loko nanu salama te depuis mokili salama. Pareille chose n'a jamais existé depuis la création. Mais ma commune est à l'Ibzobke, et ça signe, moko yaba signe de fin du temps. Mais la parole de Dieu nous montre que c'est l'un des signes aux hôtels Issasuka et Atambo. Bah épidémie il y a, bah fléau, bah nini, bah yé, bah virus, y a dengue, y a dengue. Mais oyo et comme que il faut bah tu bas joie et le comment disons bah tiens dans zoto ya moto puce électronique nanu et salamate pour na collection qui tout comme na tango ya suka. Il y a eu des épidémies, des pandémies, mais pareil pandémie n'a jamais existé qui t'impose
qu'on t'émette quelque chose comme ça. Et le Congo babengi ango radio frequency identification. Identification par radio fréquence. OK, ndeko. Oyo balmache na boku ya bato. On va le placer dans la main de Dieu. Bible lobby. La Bible dit, c'est lui qui est sage. Oya zana boania. Qui est intelligence. A décodé. A panza ya. Chiffre d'un homme oyo. Motango ezotali qui est 666. Ezali 66. Clavier na wuchiko la kisao eza 666. Pour le clavier, je viens t'en montrer. RFID oyo, radio frequency d'application oyo. Ezape 666. Oyo pe papa wuchiko loba, ezotali sabiso toujours 666. Soyi to tangi alphabet. R. Eza 18e lettre na alphabet. Dans l'alphabet, R représente le 18e lettre. Ce que vous A, B, C, D, I, F, au coma, aza numéro 18. Obéti 1 plus 8, et pesibiso chiffre 9. Et quand il additionne 1 plus 8, ça nous donne 9. Maintenant, F, et pesibiso 6e lettre dans l'alphabet. Et dans l'alphabet, F est le 6e lettre. Et I est pesibiso 9e lettre dans l'alphabet. Et la lettre I est le 9e lettre. Ce qui est en train de se maintenant, ce qui est en train de 9, 6, 9. Et si tu le prends, ça nous donne 9, 6 et 9. Ndeko. Ce qui va communiquer Esa 666 de Bosotche Moutou a condimango te bisous de Kimaso Babambi ango na code RFI. Ce qui baloussi 9 yalikolo na 9 yase selon lettre esotérique yon soit commis 666. Parce que ce qui baloussi 6 est commis 9, au baloussi 9 est commis 6. So RFID ezanini chiffre 666 et loko wana bazo planté na maboko oyo ici bandi na États-Unis na ba Europe. Et la piste qu'on veut planter aux gens représente le 666. Verset 15 of Apocalypse 13 azotali parce que eza image de la bête. Et en Apocalypse bazo tali sabiso eza elembo ya niama. Ozoje elembo na ye na nzoto na yo. Tu veux placer sa marque dans et ton Bible corps. Boyi ango. Et la Bible refuse pareille chose. Bien aimé, Olingami. Bible est boyi ke tozwa image wana elombo wana na zoto na biso. La Bible nous interdit d'avoir cette image sur nos corps. Tango yo kozwa image wana. Dès que tu auras cette marque, puce, la puce, babengi radio fréquence. Eza radio fréquence. Fréquence ya radio. Fréquence de la radio. Denge tozo luka, fréquence na radio na biso. Sango malamo ezi de suite. Tel qu'on peut chercher la fréquence sur nos radios. À tout moment. Nangonganyo soli. Baoko luka yo. Ils peuvent te chercher. À tout moment. Nangonganyo contrôler yo. Ils peuvent te contrôler. Baoko diriger yo. Ils peuvent te diriger. Okomi radio yo moko mutu. Okomi radio. Sache que étant homme, tu deviens un radio, une radio. Ils peuvent te parler. Ou agir en conséquence. Et tu interagis en balamoko. Pourquoi quelque chose externe, extérieur, quelque chose étranger, écoute en azotu yamoto? Pourquoi accepter quelque chose de l'externe, écoute en akati? Quel but? Pour natinani. Au commis électronique. Au commis lotiliki. Au commis radio. Au commis téléphone. Tu deviens pareil un téléphone. Au commis robot. Tu deviens un robot. C'est lui qui est sage. Oyazana boani. Et qui a l'intelligence. Pemayele. Décode. Aitala yango. Alimbola. Alléluia. Version, le livre Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Merci. Voici une énigme. Dala lisese. Qui est difficile. Voici quoi? Une énigme. Voici une énigme. Qui est difficile à résoudre. Qui est difficile à résoudre. Que ceux qui en sont capables interprètent ces codes. Il faut être capable
interpréter yango. Tu dois avoir la capacité de l'interpréter. Uh-huh. La somme de valeurs numériques des lettres de son nom forme le nombre 666. Mama chapatalaba na lengio tanga yango lisusu. Yes. Voici une énigme qui est difficile à résoudre. Que ceux qui en sont capables interprètent ces codes. La somme de valeurs numériques des lettres de son nom forme le nombre 666. La somme des valeurs numériques de son nom. Les lettres de son nom forme le nombre 666. Ok. C'est téléphone. C'est téléphone. Et ça, image. C'est une image. Oyo bazo planter na lobokwana. Ce qui veulent mettre. Jusqu'à Bible lobby. Là où la Bible. Et baba ni kotia dedans. Ils ont commencé. Et ça, image. C'est aussi une image. Son image. Mais c'est chiffre d'un nom. Yamotango yamoto. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bolingami. Soyons sages. Tozala na boania. La fin est proche. Souka e komi pene. Alléluia. Amen. Zambe a sali mutu akoka. Dieu a fait l'homme complet. Apocalypse chapitre 13, verset 18, version des livres. Oui. Voici une énigme qui est difficile à résoudre. Oui. Que ceux qui en sont capables interprètent ces codes. La somme des valeurs numériques des lettres de son nom forme le nombre 666. Encore la somme? La somme des valeurs numériques des lettres de son nom forme le nombre 666. Encore pour mon Kilibayoka. La somme des valeurs numériques des lettres de son nom forme le nombre 666. Question pourquoi claver Eza Kopesabiso selon calcul 666. Ma question est celle-ci. Pourquoi quand on additionne cela nous donne 666 dans le clavier? Et pourquoi Louis II à l'obéna verset 18, c'est lui qui est sage, fait les calculs des chiffres de son nom. Pourquoi l'obito calculé? Bonani ni version lui c'est quoi les autres banabi souhaité. Oyaza na boani asangi samitango anape ayeba. C'est à dire ils accordaient. Ils allaient accorder ma. Il faut les la décoder. Ça doit être décodé. Moi j'ai constaté. Ngai Natali na Moni que était clavier oyo. C'est clavier. 666. Ils a 666. Oyo balimba planté. RFID, Radio Fréquence Identification, et ça aussi 666. Que la piste électronique est aussi et sanguis 666. So, to comme radio, ils deviendront des radios. To comme téléphone, des téléphones. To comme robots, des robots. À tout moment, n'angoukanyo son petit manipulé. Bakokyo sakanana yo. Oza moutou, oyozambe a sala li susute. Tu ne seras plus la personne que Dieu avait faite. Corps étranger et coti na katina yo. Zoto ya mopaya eza na katina yo. Laisse-moi te dire bien aimé. Ti kana biso yo molingami. Oyebi ki ba téléphone wana. Tu connectes ce téléphone. Virus et kotaka. Il y a des virus. Ma laptop virus et kotaka. Il y a des virus. Après, et perturbe yonso. De même, dès que tu acceptes cette marque, puis wana, okoko attrape virus. J'aimerais te dire que si tu as un système qui est en train de se perturber à tout moment, ce qui va les perturber. Ils auront la capacité de perturber à n'importe quel moment les systèmes de ton corps. Que Dieu vous donne l'intelligence à ce que je suis en train d'expliquer. Si tu as un Zambapé, tu as un Zambapé, tu as un Zambapé. Bien aimé. La Bible nous a dit. Tel que nous tendons vers la fin. Apocalypse 14. Dans le livre d'Apocalypse verset 14, 9 à 12. À partir du verset 9 à 12. Que celui qui va prendre la marque de la bête. Yaniama. 666. Qui est 666. Et tout monique. Et le Kobalimba planté RFID wana isa 666. Et nous avons vu que c'est l'encode là-bas. Qu'ils veulent planter les hôtels Isaïlembo ya 666. Celui-là est perdu et condamné à l'enfer pour toujours. Mutuana Bungi et Bebelie a kwesami ne tumbu ya kokendeli felo libela na libela. Ngonga et Poussani.
l'ère avance. Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 14, 9e verset, version Darby. Et un autre, un troisième ange, suivit celui-là, disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi, verset 10, boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Version Lingala Elelo. Ange lui a mis ça toi la nini soussou, pe a lobi na mongongo makasi. Ce qui moto a fou kameli ni amana e ke konayango, pe a zu elembo na elongito na liboko na ye. 10. Nzambe a komeli sa ye kopo ya lotoko ya kana na ye, oyo e sangana na maite. Boye moto yango, a komo na pasi na moto, pe fofolo na miso ya ba ange lui a bo santu, pe na miso ya mwana ya meme. Continue tina 12. Verset 12. Ici est la patience des saints. Ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je lis la verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image. Et si quelqu'un prend la marque de son nom. Versets 11 et 12 Lingala. Batonyo so oyo bafukamela ki nyama na eke kona yango, pe bazwa ki elembo ya kombo na yango, bakope mate butu moyi. Donc Bible lobi bakope mate butu moyi. Ils n'auront point de repos. Bien-aimé tofuta pri. Bien-aimé payons le koma kunati. Pour ne pas en arriver là. L'homme est créé à son image. Oto salami ne lilingi ya nzambe. Dieu est esprit. Zambazamo limo. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Nous aussi, nous sommes esprits. Bisope tozali ba milimo. Zambi akufa zete, esprit amotupe kufa kate. Dieu ne meurt pas non plus nos esprits. Esprit na yo ako demere wapi. Où ton esprit va demeurer? Na moto yo libela libela. En enfer. Ou bien à paradis. Ou au paradis. Bandela Lingala 11, 12. Verset 11, version Lingala Elelo. Batonyo so oyo bafukameli bafukamela ki nyama na eke kona yango pe bazwa ki elembo ya kombo na yango bakope mate butu moyi milinga ya moto oyo ezali konyokola bango ekozala komata na likolo po na seko ekozala komata likolo po na seko. Verset 12 yango wana bato ya bosantu oyo batosaka mibeko ya nzambe bandi melaka Yesu basengeli kokanga mitema. Alleluia. Amen. Nasambeli, je prie yambangolu ya kokanga mutema. Amen. Nous sommes déjà avisés. De si toyé et kozala un peu difficile. Ça serait un peu difficile. Mais kanga mutema. Mais Yesu alobi na Matthieu 24. Alobi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je prie pour toi. Reçois toute la grâce nécessaire. Au nom de Jésus. Durant ces terres où nous sommes. Je prie que la grâce de Dieu soit suffisante pour toi. Amen. Je vous bénisse au nom de Jésus. Même de là où tu me suis maintenant. Nasengi. Je demande. Nguya molimo msantu esimba motema na yo na zela ya matea oyo. Que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher ton cœur par peut-être ozawana. Peut-être tu es là. Non, nos sali décision te koyamba Yesu Masia. Tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. C'est le temps. Gonga yangoyo. Goza mutu na yo bisika ozali. Baisse juste ta tête là. Lobasi banangai. Et répète après. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Na yo ki mugongo na yo. Na yo ki mugongo na yo. Na zela ya motei. Na yo ki mugongo na yo. Je réussis. Et na simba mina mutema. Et je suis touché. Lelo aujourd'hui. Na zui mokano. Je prends la décision. Pour na ko pesa vie na ngai. Pour donner ma vie. Na makolo na yo. Entre na ye pa na yo. Je viens à toi. Na sengi yo. Et je te demande. Olimbisa ngai pona nyonso na sala.
de pardonner tous mes erreurs pour mes passés et lave-moi par ton sang et pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je viens, je t'accepte de tout cœur et je confesse par ma bouche que tu es Dieu, tu es mon sauveur, tu es venu pour moi, tu es mort pour moi là-bas. Aujourd'hui, je t'accepte et je crois que tu es ressuscité après trois jours et tu es sur ton trône. Je viens à toi et je dis, viens, siège dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Et maintenant, je t'appartiens. Tu deviens le maître de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis tous qui avez pris cette position. Et je vous reçois dans la famille de Dieu. Je te déclare enfant de Dieu dès aujourd'hui. Le poko ya zambe est reposé likolo na yo. Je prie que la main de Dieu se repose sur toi. Apati ya lelo. Obana ko tambola dans la lumière de sa parole. Que tu marches à la lumière de sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. To sambeli. Amen. 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 Je crois que vous êtes bénis. Nanzimie te bo pambolami. Bien-aimé. Olingami. Na kolinda olanda matea oyo. Balana. J'aimerais que tu suis ce message, maître. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Restez branchés. Tikalawana. Restez connectés. Tikalakotalabiso. Chaque mercredi. Mokolonyo soto a misato. À 10h. À 10h. Chaque vendredi. Chaque vendredi. À 17h. À 17h. Chaque dimanche. Et chaque dimanche. À 7h. À 7h. Et après. Si nous avons des rédivisions. Zambi a pamboliyo. Si Dieu t'a béni. Zambi a simbiyo. Il t'a touché. Zambi a bikisiyo. Il t'a guéri. Ne t'hésitez pas. Obenga. Otinda biso mes témoignages na yo par vidéo WhatsApp et pour batubaye bake Yesu Masiya zana pomoi. N'hésite pas pour nous renvoyer ton témoignage par la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Bye. Témoignage. Bonsoir Daddy, kombo na ngai Sœur Ketia, na vandi na komne kimbonteke, na linaki na témoigner pour na makambo isala milenga na âge 18 ans, ba outi ko perenga yeza ki mercredi le 15 ba sala ki nga opération ya appendicite na dékisté. L'air et les qui opération les cas qui bien après les ventes nango et à qu'un certain dimanche mon bouina tout au vandi na maman tozou lia ming vraiment la une témoigné d'abord pour na manteau na yo qui sou qui n'a mtumba moko et télémi lorsque sou qui n'a mtou et télémi na zaki na fièvre et loko toi na zaki na kat hôpital na bandimba moko lenga na tiki nende na bandai kolia. Lorsque na tiki na mati na mbetu na bandika kaku parla lang na bandiko parla lang lorsque na bandiko parla lang na bisi mama zwa ba manto na ngala itanga ngona lati sanga ngo lorsque le kana na TV lo ba ki mutunyo surtout a présenter manto na edi boswa TV ngai na longola ki ba chenet na ngami balé na longoli na sim na ngai ya téléphone na tiki wana dikolo kaka ndenge na zwa ki ba chenet na na lata ki ngo et sala maki kutata pa même 5 minutes na toki na mbala moko fièvre et bimi. Na kumisi vraiment nzambi makasi et deuxième témoignage nanga eza ndenge ozo leka na kanabe kramboye mkolana le rubanda ki ko sambela ezala ki un certain jeudi ezala ki un certain mardi olobi na omona molimo ya somni chaque butu mutazo apongite na komanso na lali na lali omona na susumuki na komanso na ben somni na butu mais mardi lorsque sambela ki olobi ki ete simba television kaka nde na simba ki television papa miracle moko esala mena ki ngai obi olala pongite ba bébé donc lorsque kaka na touché TV na bani maman ko parla langue na TV donc na komimba moko connecté mba moko na omona kande singa pina za kata kit lorsque kaka esali bongo na zui na soko na kela banda wana na komola la pongia ba bébé et loko mo ma beza susuté kende banda ko sala donc yon vraiment la ligne na témoigner vraiment nzambi na makambo sale dingai. Le temps de témoignage. Voilà Yesu maboko makasi. Tik
kana prophétisé na vina. Bisika baninga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama yo ko poma yote. Ya ye. Les choux et chaque chrétien. Bon pour vous. Vas savoir. Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Na commission invisible. Na ye ko kotsa yo na linie ya batu ba isa pa makambo ya tenye wana.